Je vais vous annoncer la liste. Nous parlerons après de la délocalisation. Et puis après, je serai ouvert à vos différentes questions. Allez, on y va. Donc, liste des convocations pour la date FIFA d'octobre 2021, du 4 au 13. Le Malawi, Côte d'Ivoire, le 8 octobre à Johannesburg, Afrique du Sud. Et le match retour le 11 octobre à Cotonou, au Bénin. Ils sont convoqués. Sylvain Gbohou, Volkite Ketema, Éthiopie. Badr Ali Sangaré, JDR Star, Afrique du Sud. Abdoul Karim Sissé, Asec Mimosa, Côte d'Ivoire. Serge Aurier, sans club pour le moment. Wilfried Tsingo, Torino, Italie. Eric Bailly, Manchester United, Angleterre. Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, France. Willy Boly, Wolverhampton, Angleterre. Odilon Kosonou, Bayer Leverkusen, Allemagne. Emmanuel Agbadou, CAS Eupen, Belgique. Maxwell Cornet, Burnley, Angleterre. Hassan Kamara, OGC Nice, France. Ghislain Conan, Stade de Reims, France. Geoffrey Serédier, FC Sion, Suisse. Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas. Habib Digbo Maïga, FC Metz, France. Jean-Daniel Akpak Pro, Lazio de Rome, Italie. Franck Caissier, Milan AC, Italie. Ahmed Junior Traoré, Sassuolo, Italie. Jean-Michel Seri, Fulham, Angleterre. Serge Aka, Alpey, Turquie. Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie. Gervinho, Trabzonspor, Turquie. Jérémy Boga, Sassuolo, Italie. Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre. Jean-Evrard Kouassi, Wanzhal, Chine. Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre. Lago Junior, Mallorca, Espagne. Sébastien Allaire, Ajax, Amsterdam, Pays-Bas. Et Christian Kouamé, Anderlecht, Belgique. Liste de 30. Donc avant de vous donner la parole, concernant la délocalisation, pour que ce soit très très clair. Lorsque je suis arrivé à Abidjan, c'était vers le 13 mars 2020, il y a eu cette histoire de Covid et j'ai décidé de rester ici à Abidjan pour travailler, même si on n'avait pas de match. J'ai pu visiter un grand nombre d'installations qui étaient en construction ou en fin de construction. Et je remercie le ministère des Sports, l'ONS, la FIF et ensuite le comité, quand ils sont arrivés quelques mois après, de m'avoir écouté sur mes doléances d'un point de vue technique. Donc ce que je souhaitais, c'était avoir des vestiaires comme je le souhaitais, vraiment, précisément au millimètre près. Donc j'ai fait les plans, on a beaucoup travaillé pendant quelques mois pour avoir des vestiaires vraiment à mon souhait, d'un point de vue technique. Et concernant la pelouse, j'ai souhaité avoir une pelouse hybride et je sais qu'aujourd'hui, le stade des Bimpé va être aux normes, non pas seulement FIFA, mais de mon souhait, de mes doléances. Et ça, j'en remercie le ministère, l'ONS, la FIF et le comité de normalisation qui m'ont écouté, qui m'ont... Aujourd'hui, je sais que les vestiaires sont en cours. Lors du dernier match contre le Cameroun, on va dire que les vestiaires étaient 40-50% prêts, mais on aura tous les moyens techniques pour bien travailler dans ce stade des Bimpé. Après, c'est vraiment un appel au peuple. Je vais vous dire, je me sens 100% ivoirien. Je ne veux pas de polémique, il faut juste être patient. Soyons patients et tournons des fois des côtés difficiles. Sportivement, c'est sûr que j'aimerais jouer ou à Abidjan, ou à Yamoussoukro, ou à Boaké, ou à Korogo, ou à San Pedro, ou même ici, le futur stade qui sera prêt à Félicia. J'aimerais, mais pour l'instant, ce n'est pas prêt. Alors, pourquoi tirer sur les uns et les autres? Nous sommes à 4 matchs de jouer des play-offs pour une Coupe du Monde. C'est le rêve de joueurs, de moi entraîneur et de tout un pays. Donc, on fait l'effort. J'ai choisi le Bénin parce que je pense que dans la sous-région... aux alentours
de la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau stade actuel qui a été refait pour avoir les meilleures installations. Donc on fait l'effort, on laisse les gens travailler. Je suis allé à Yamoussoukro, le stade est quasiment prêt. Moi, d'un point de vue technique, je pensais qu'il serait prêt. Mais il y a des spécialistes qui font leur travail, ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Donc on écoute, on laisse les gens travailler. J'ai vu des gens travailler à Yamoussoukro pour faire les plus belles installations et ce stade sera magnifique. Ça sera un beau stade. Vous pourrez être fiers des stades. Donc, s'il vous plaît, on a besoin de votre soutien. Je le répète, j'aurais préféré jouer à la maison, mais faisons de Cotonou, le temps d'un match, une ville de Côte d'Ivoire, en espérant que ce n'est pas très très loin, qu'on puisse avoir quelques supporters. Et j'espère que vous serez de tout cœur avec nous. C'est très important ce que je vous dis. Et vraiment... Désolé, je dépasse bien. J'insiste lourdement. J'ai vraiment designé les vestiaires. J'ai souhaité avoir une pelouse hybride, comme en Europe. Et tout le monde est en train de travailler pour me donner ce produit. Maintenant, je vais faire un peu d'humour. J'espère que lorsque ça sera prêt, je serai toujours là pour pouvoir utiliser, mettre les pieds sur cette pelouse et dans ces vestiaires. Voilà, j'espère juste être là parce que en football, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, on a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé pour que tout soit prêt pour faire les plus beaux matchs, pour que nos joueurs qui viennent d'Europe et d'ailleurs soient fiers de fouler la pelouse de nos stades en Côte d'Ivoire. Voilà, je voulais vraiment, j'ai été assez long, mais je voulais vraiment insister sur ça. Soyons ensemble, on va y arriver. Et vous serez fiers de vos stades, j'en suis sûr.